parents juifs berbères. J'ai rencontré donc le directeur de l'orchestre de Fès, Si Mohamed Briouel, et il m'a proposé, lui, d'apprendre le répertoire de la musique arabo-andalouse. Évidemment, j'ai dit oui, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire ça, mais étant originaire d'Algérie, qui est un pays pour l'instant où les choses sont si difficiles, je ne pouvais pas faire ça en Algérie. Et alors, le Maroc m'a proposé de faire ce travail. Et quelque part, c'est une recherche aussi de mes racines. Eux, ils savent, par exemple, c'est vrai que les artistes juifs avec lesquels ils ont toujours travaillé, ils ont des choses dans leur voix, ils ont des manières de chanter qui sont un peu spécifiques. Et moi, j'ai hérité ça, je ne sais pas d'où, mais je l'ai hérité. Donc, ils aiment beaucoup ça. Et on s'enrichit les uns avec les autres. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de courage, les gens du festival. C'est pas évident, par les temps qui courent, d'inviter des Juifs à venir se produire à Fès. Au moment où j'ai dit ça, je vous avouerai, j'avais à la fois peur, j'avais le sentiment de, j'allais dire, de commettre, comme si c'était un crime, mais de faire quelque chose qui pouvait avoir, il y aurait pu avoir des gens qui sifflent, qui... Mais non, c'est resté... Et ça, je trouve ça, pour moi, c'était le moment très très fort.